Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Au menu de ce journal, le BEPC, le BEP et le CAP commencent le 11 juin et pour le baccalauréat, les candidats se préparent pour le 27 juin et cela sur toute l'étendue du territoire. Les responsables des examens et concours du secondaire assurent sur le respect des nouveaux calendriers. Nous parlerons également dans ce journal de l'audience des médias au Faso. La RTB Télé se classe en tête des télévisions. C'est une étude commanditée par le Conseil supérieur de la communication qui a livré ses résultats. À Kidal, il ne fait pas bon d'être soupçonné d'espionnage. Le MNLA sème la terreur dans les rues de la capitale du Nord Mali. Bienvenue à tous et merci de votre attention. La paix et la sécurité sont des éléments essentiels dans le nouveau plan de développement du Japon pour l'Afrique, deux secteurs clés pour la construction du développement durable sur le continent africain. En marge de la TICAD 2013, la question a fait l'objet d'une rencontre spéciale à Yokohama, une réunion au cours de laquelle le président du Faso a partagé son expérience sur le sujet. De Yokohama, le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Umaru Zungrana et Adjima David Chambiano. 2011, à la suite des mutineries qui ont ébranlé le Burkina, les volontaires japonais au nombre de 90 quittent le pays. Tout récemment, en Algérie, des employés japonais trouvent la mort dans un assaut contre des preneurs d'otages au complexe gazier d'Inaminas. La stabilité et la sécurité manifestement restent un facteur risque pour des investisseurs et des initiatives d'impulsion du développement. Le Japon se propose d'inclure la question de la paix et de la sécurité dans le champ de la coopération entre l'archipel et les États africains. Une mesure que salue le président Blaise Compaoré, bien connu pour ses efforts de médiation pour éteindre des crises qui menacent la stabilité de la sous-région Afrique de l'Ouest. Il nous faut lutter efficacement au plan international contre le terrorisme, les extrémismes, la piraterie maritime, le crime organisé et le narcotrafic qui étendent aujourd'hui leur champ d'action sur de vastes espaces. Le raffermissement continu de la démocratie, le respect des droits humains, la bonne gouvernance conduisant au bien-être des populations constituent des facteurs structurants pour une société mondiale de paix. Au regard de ces enjeux importants pour l'édification d'un monde de paix et de progrès, je salue l'ambition de la TICAD 5 d'œuvrer à la promotion de bonnes pratiques en matière de gouvernance politique, sociale et économique. La question de la paix et de la sécurité en Afrique a fait l'objet d'une session spéciale dans le cadre de la TICAD pour recueillir des propositions des dirigeants et des partenaires au développement sur des pistes d'action à même de créer et de consolider un environnement favorable aux investissements. De nombreux intervenants ont relevé la faiblesse des armées africaines face aux menaces du terrorisme, des narcotrafiquants et des djihadistes et il faut une réponse urgente pour corriger cette malheureuse donne. La nécessité de bâtir des armées républicaines disciplinées et équipées de manière à pouvoir faire face aux menaces contre la paix et la sécurité et compte tenu des faibles moyens de nos États pris individuellement, envisager rapidement de bâtir une armée sous-régionale adaptée à la situation nouvelle avec l'aide de l'Europe et de la communauté internationale et peut-être même une armée africaine s'appuyant sur ces armées sous-régionales capables de réagir promptement et de faire face à toutes les menaces. La nécessité de la mise en place d'une force d'intervention rapide a été évoquée et se pose naturellement le problème de l'équipement, de la logistique, de la nécessité de l'échange d'informations, de la coopération transfrontalière et d'une force de réaction rapide. La reconstruction, le retour des réfugiés doivent également être bien accompagnés pour remettre les pays touchés par la crise debout. Le Mali, par exemple, doit relever le défi du dialogue politique avec toutes les parties. Les regards sont à nouveau tournés vers Ouagadougou, où devront se retrouver les parties maliennes sous la facilitation du président Compaoré. Le Burkina Faso, engagé pour le compte de la CEDEAO dans la médiation en vue du règlement pacifique de la double crise institutionnelle et sécuritaire au Mali, entend poursuivre ses efforts aux côtés du gouvernement malien et de la communauté internationale pour restaurer l'intégrité de ce pays frère, conforter la démocratie et rétablir les populations maliennes éprouvées, dont les nombreux réfugiés installés sur le sol burkinabé,
dans leur dignité et leur espace de vie. Il s'agira pour les tout prochains jours de parvenir à un accord politique sur l'organisation des élections générales de juillet et sur l'engagement des partis sur la voie pacifique pour le règlement de cette crise. Pour promouvoir la paix et la sécurité, le Japon annonce une inscription de 550 millions de dollars américains sur les 5 prochaines années. 190 millions au titre de l'assistance et de la sécurité au Mali et en Afrique de l'Ouest et de l'aide aux réfugiés. L'actualité au Faso que nous ouvrons par le carnet d'audience du président de l'Assemblée nationale. L'ambassadeur de la Turquie a rendu visite cet après-midi au chef du Parlement burkinabé. Au cœur des échanges, la relation diplomatique entre les deux pays et la coopération parlementaire entre Turc et Burkinabé, les propos du diplomate turc à sa sortie d'audience au micro de Sugrinoma Ibrahim Digma. C'est une visite de courtoisie que je suis venu rendre au président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso depuis son élection. Et nous avons profité, passé en revue les relations diplomatiques entre nos deux pays. Vous savez, le Burkina Faso et la Turquie entretiennent de très bonnes relations et dans plusieurs domaines, les affaires, le commerce, la culture et la politique. Et l'une des plus importantes institutions présente dans nos deux pays, c'est bien entendu le Parlement. Et dans le cadre de la coopération parlementaire, je suis venu inviter le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et à se rendre au Parlement turc. Et nous serons très honorés de l'y recevoir. Et cela va contribuer à développer davantage la coopération entre les deux parlements. Le chef de file de l'opposition politique au Burkina se dit prêt à apporter sa contribution pour une meilleure réussite des missions assignées à la Commission électorale nationale indépendante. Zéphirine Diabré a fait des propositions et des suggestions à la CENI, notamment sur l'organisation des élections. Le point de la visite du chef de file de l'opposition à la CENI avec Jacques Lamissa Tarpaga. Une visite de courtoisie à huis clos entre le chef de file de l'opposition et la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Pour Zéphirin Diabré, cette visite était nécessaire dans la mesure où l'opposition est partie prenante de la CENI. L'opposition considère cet endroit comme étant aussi sa maison. Et c'était l'occasion pour moi, avec le changement qu'il y a eu à la tête donc, du chef de file de l'opposition, de venir saluer et féliciter le président de la CENI et ses équipes pour l'excellent travail qu'ils font dans la mission qui est la leur, et leur redire notre disponibilité à travailler ensemble pour continuer de parfaire les processus d'élection qui se passent dans notre pays. De son côté, le président de la CENI a saisi l'opportunité pour exposer un certain nombre d'attentes vis-à-vis de l'opposition. Ça nous a vraiment fait plaisir de pouvoir le recevoir et d'échanger avec lui. Nous lui avons marqué toute notre disponibilité et nous lui avons dit que nous attendons de lui aussi des observations, des suggestions, des commentaires, pour que dans l'ensemble du processus que nous allons engager, les dispositions soient prises pour que ce soit à la satisfaction de tous. Zéphirin Diabré poursuit son périple. Ce mercredi, le chef de file de l'opposition rencontre le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs. L'amélioration des performances économiques de la région et l'accès des populations aux services sociaux de base, ce sont les priorités du nouveau Conseil régional des Cascades. Et pour relever le défi de cette nouvelle gouvernance, le nouveau président invite les populations à se mettre à la tâche. Ngolo Burema Ouattara a reçu les clés de la région le 1er juin dernier à Banfora Mumuni Baru. Élu à la tête de ce conseil depuis le 30 mars dernier, Ngolo Burema Ouattara, administrateur des services financiers de son État, a remercié l'équipe sortante qui dirigeait Foumbé Idriss Emma pour la réalisation de certaines infrastructures de base. Pour sa part, le nouvel élu compte apporter sa contribution à l'édification d'un service qui réponde aux ambitions de la région. Nous avons des projets aussi qui ont été légués par notre prédécesseur. Nous pensons que dans ce domaine, nous ne serons pas du tout en reste et nous comptons sur eux parce que effectivement, les gros investissements ne peuvent pas être faits par le budget du Conseil régional compte tenu de l'ampleur et nous sommes déjà conscients de ça. Nous comptons donc sur la coopération décentralisée pour pouvoir aussi avancer. Le gouverneur de la région des Cascades et les parrains ont exhorté le nouveau conseil régional à œuvrer surtout dans le sens de la préservation de la paix et l'unité au sein des ressortissants des Cascades. Pour nous, l'essentiel, c'est d'avoir en face de nous
des acteurs engagés et mobilisés pour le développement de la région des Cascades. Et nous sommes prêts, en tout cas pour leur apporter notre appui. J'ai fait le déplacement effectivement pour venir encourager la décentralisation. Et ce que j'ai à dire, c'est surtout appeler à le conseil régional à l'unité et à se départir des esprits partisans. Je pense que si les mentalités évoluent, la région de Banfora pourrait se classer peut-être parmi les premières régions du Burkina Faso. Le nouveau conseil compte 34 membres issus de 5 formations politiques. Le CDP, le RDB, la DFRDA, le CFDB et l'UPC. A précisé que cette cérémonie d'investiture a été aussi l'occasion pour les ressortissants d'inaugurer le nouveau bâtiment du Conseil régional. Le 11 juin pour le BPC, le BP et le CAP et le 27 juin pour le baccalauréat, ce sont les dates de démarrage de ces examens et concours donc sur toute l'étendue du territoire burkinabé pour cette session 2013. Les calendriers devraient pouvoir être respectés. C'est l'assurance que les responsables des examens et concours du secondaire ont donné à la presse. Une rencontre pour faire le point de l'organisation de ces examens a été récupérée de semaine. Des précisions avec Cie Sylvestre Da. Au dire des directeurs de l'Office du baccalauréat et de l'Office central des examens et concours du secondaire au SECOS, le report d'une semaine des examens et concours de la session de 2013 du ministère des enseignements secondaires et supérieurs n'entamera en rien le bon déroulement de ces examens. Au secondaire, ils sont plus de 157 000 candidats qui iront à la conquête du BEPC, du BEP et du CAP du 11 juin au 12 juillet. 459 centres de composition seront mis en place à cet effet et 35 000 personnes sont mobilisées pour l'organisation. Une organisation dont le budget est de plus de 3 milliards 102 millions de francs CFA. Du fait du report, ces examens du secondaire vont coïncider avec l'organisation du certificat d'études primaires, ce qui nécessite que des dispositions soient prises. Les deux départements concernés, à savoir le MENA et notre ministère, ont déjà entamé la concertation et vont la poursuivre afin de prendre toutes les dispositions utiles pour faire face aux éventuelles difficultés qui pourrait être engendré par cette coïncidence. Quant à l'examen du baccalauréat, il aura lieu du 27 juin au 15 juillet. La session enregistre plus de 54 000 candidats logés dans 237 jurys à travers le pays. L'organisation va coûter plus de 2 milliards 41 millions de francs CFA et 15 000 acteurs sont mobilisés. Les particularités de la session de 2013, c'est d'abord l'organisation pour la première fois du bac technique série F4. Génie civil. Il y a l'ouverture des jurys complets de composition et de correction de Boulsa dans le centre nord, de Toma dans la boucle du Mouhoun, de Dano au sud-ouest et de Puitenga dans le centre est. Il y a aussi l'ouverture d'un jury des séries F3, série technique F3 à Banfora. Avec le report des examens, le Burkina Faso ne pourra pas respecter la consigne de l'UMOA qui demande aux États membres d'organiser aux mêmes dates l'examen du baccalauréat afin d'éviter les doubles inscriptions. Tout compte fait, les préparatifs vont bon train et les nouveaux délais devraient pouvoir être respectés. Ce point de presse a aussi été l'occasion d'interpeller surtout les élèves à se départir de la fraude. L'OSECOS et l'Office du baccalauréat entendent multiplier les actions de sensibilisation afin de dissuader d'éventuels fraudeurs. Les médias jugés sur leur performance au Faso, selon une étude commanditée par le Conseil supérieur de la communication en collaboration avec l'Association des professionnels des médias, la RTB Télé est la plus populaire des télévisions. L'Observateur Palga et Sidoya pour la presse écrite. Savan FM, elle tient la tête pour ce qui est de la radio. Cette étude sur l'étendue du lectorat et de l'auditoire s'est déroulée dans le Kadiogo et le Houé et 4 autres provinces. Les résultats ont été restitués en présence de Aboubacar Sagnon. Entre les lignes de ce document, les résultats de l'étude sur l'audience des médias dans le Houé et le Kadiogo. Il révèle que la RTB Télé est la chaîne la plus populaire dans les deux provinces. Viennent après BF1 et Canal 3. En ce qui concerne la radio, Savan FM est en tête, suivi de RFI et de Ouaga FM. Quant à la presse écrite, l'Observateur est classé première dans le Kadiogo, tandis que dans le Houé, c'est Sidoya qui est le journal le plus lu. Mais l'ancrage de la presse écrite reste très faible, moins de 5% de la population des deux provinces lisent les journaux. Ce genre d'études permet
de mieux adapter le contenu de son organe de presse aux attentes de la population. Et cela permet aussi aux autorités ou aux institutions ou aux décideurs dont fait partie le Conseil supérieur de la communication pour la politique en matière de communication. Selon cette étude, le Kadiogo compte 28 radios, 9 télévisions et 40 journaux. Le Houé serait doté de 14 radios, 3 télévisions et 8 journaux. La radio reste le principal canal d'information, même si 47% des enquêtés en milieu rural n'y ont pas accès par manque de moyens, d'où ces recommandations. Il faut voir dans quelle mesure améliorer l'accessibilité de la population aux canaux de communication que sont la radio, la télévision ou les journaux. La même étude a été menée dans 4 autres provinces, le Boulkiemdé, le Gourma, le Mouroun et le Yatenga. Dans l'ensemble, on note un impact positif des médias sur les populations, notamment dans le domaine de l'hygiène, de la santé et de la scolarisation des enfants. La tâche de ces représentants des médias, de l'Institut national des statistiques et de la démographie et du Conseil supérieur de la communication, faire des recommandations et des amendements afin d'améliorer le document. Avec un scanner et un atelier d'appareillage orthopédique, le centre hospitalier régional de Tankodogo peut sensiblement améliorer la qualité de ses prestations. C'est la Chine Taïwan et Handicap International qui offrent ces deux unités qui font de ce CHR un centre de référence pour les hôpitaux des régions voisines. Le corps médical applaudit et les populations poussent un ouf de soulagement. Karim Patrick Namoano. Du centre hospitalier régional de Tinkodougou à l'hôpital Yalgado-Wedraogo à Ouagadougou, certains malades devaient parcourir plus de 150 km pour un examen au scanner. Avec l'opérationnalisation du nouveau CHR, les patients étaient toujours dans l'expectative. Aujourd'hui, leur vœu est exaucé grâce à la République de Chine Taïwan. Elle a offert gracieusement une unité de scanner au centre hospitalier régional de Tinkodougou. Le développement d'un pays repose sur une bonne santé de la population. Donc notre politique de fait dans le domaine de la santé, c'est toujours basé sur ça. Je crois que pour notre gouvernement, on va faire tout notre mieux pour satisfaire les besoins de la population du Guinée. Désormais, le diagnostic médical du cerveau, de la cage thoracique, de l'abdomen, des tumeurs est possible grâce au scanner. Au-delà des patients, ce geste de la République de Chine Taïwan rejouit le ministre Léné Sebgo, le corps médical aussi. C'est vraiment une évolution dans l'imagerie et ça permet également de poser certains diagnostics plus difficiles à faire au niveau de la radiographie conventionnelle. Le scanner renforce l'unité radiographique du CHR de Tinkodougou qui a aussi bénéficié d'un atelier d'appareillage orthopédique offert par Handicap International. Avec ces deux gestes, les patients des centres hospitaliers régionaux voisins verront leur peine quelque peu atténuée, car le rapprochement des malades aux structures sanitaires équipées n'est plus un vœu pieux. La Chine, Taïwan et Hélène Keller International qui renforcent leur partenariat dans le domaine de la santé et de la nutrition. Deux projets pour l'enrichissement de l'huile et la farine de blé pilotés par l'ONG reçoivent des financements à hauteur de plus de 300 millions de francs CFA de la part de Taïwan. La signature de la convention qui marque le début de ce partenariat avec Sié Sylvestre Da. Avec la signature de ces deux conventions de partenariat, ce sont 220 000 et 508 000 dollars américains, soit environ 364 millions de francs CFA, qui sont mis à la disposition de Hélène Keller International de Burkina par la République de la Chine Taïwan pour le financement de deux projets. Il s'agit du projet de renforcement des acquis de la fortification des aliments au Burkina et du programme intégré de santé, nutrition et lutte contre le trachome en milieu scolaire et communautaire mis en œuvre dans les provinces du Gourma et de la Commandiary. Cette nouvelle phase de financement va nous permettre de nous assurer que les inspections sont faites au niveau des douanes. Pour ce qui concerne le projet santé et nutrition scolaire, nous intervenons directement dans les écoles où nous formons les enseignants sur la problématique de la santé et de la nutrition au niveau scolaire. Nous donnons des kits d'hygiène, c'est-à-dire des seaux, des bassines, pour permettre le lavage des mains, bien sûr, parce que c'est l'hygiène, mais également le lavage du visage, qui est un moyen de prévenir le trachome.
Le renforcement de l'inspection et du contrôle de qualité des aliments aux frontières, l'accentuation du plaidoyer à tous les niveaux, ainsi que la sensibilisation à grande échelle des consommateurs sont des défis que les nouveaux financements devraient permettre à Ascaï et ses partenaires de relever. L'ONG entend également, grâce à cet appui, étendre ses activités de nutrition, d'hygiène et de lutte contre le trachome dans 12 nouveaux villages, en plus de 52 villages de la région de l'Est où Ascaï intervenait jusque-là. Je crois que c'est une bonne chose. Ça peut aider des enfants scolaires, prévenir certaines maladies. Ça correspond aussi à notre logique de faire la coopération dans le domaine international. Ascaï est présent au Burkina depuis une dizaine d'années. Ses missions se résument en des actions pour la préservation de la vie et de la vue des personnes vulnérables. Et nous remettons le cap sur l'Ouest pour un état des lieux de la production minière au Burkina Faso. Le secteur passé en revue permet au ministère en charge des mines et de l'énergie de dégager des perspectives de développement à travers des investissements mieux structurés. Moumouni Barou. Le boom minier ces dernières années au Burkina Faso suscite beaucoup d'espoir pour la population quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ainsi, une participation active des mines dans les projets de développement durable est de plus en plus exigée par ces populations. C'est ce qui justifie le choix du thème de cette première session de 2013 du Conseil d'administration du secteur ministériel des mines et de l'énergie, la responsabilité sociale des entreprises minières au Burkina, état des lieux, enjeux et perspectives. Le thème d'état des lieux aujourd'hui, nous avons 8 mines en activité, avec ce que cela comporte comme, recettes au niveau de l'exploitation, des retombées fiscales au niveau du budget de l'État, des créations d'emplois, mais surtout aussi d'attentes au niveau des populations. Parce que comme vous le savez, ce sont des ressources qui ne sont pas renouvelables et nous avons tous intérêt à faire de telle sorte que ces investissements puissent profiter aux sociétés minières, à l'État, mais surtout aux populations riveraines. Où en est-on avec la question de la transparence dans la gestion des mines? Le ministre rassure la population. La satisfaction au cours de l'année 2013, c'est qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est devenu pays conforme. Cela veut dire que la société civile reconnaît aujourd'hui qu'il y a une transparence dans la gestion du secteur. Mais, comme je le dis souvent, une chose est d'être pays conforme, une chose est de le rester pendant longtemps. Et nous nous donnons les moyens, en tout cas au niveau du gouvernement, de faire de telle sorte que la transparence soit de mise dans la gestion du secteur minier. Selon les propos du ministre, les mines constituent aujourd'hui un véritable pilier du développement du Burkina Faso. À titre illustratif, plus de 1100 milliards de francs CFA ont été engrangés en 2012. L'or conforte donc sa première place de produit d'exportation du pays. Les villages dans le Kuritenga auront droit à leur part de développement grâce à l'électricité. Pour encore plus d'activités génératrices de revenus, amélioration du bien-être des populations, ce sont les promesses du projet d'électrification rurale pour 6 villages de la province. La promotion de l'énergie dite verte au Burkina marque encore un point. Moussaki Claudine Bikaba. Ce sont 6 villages de la province du Kuritenga qui bénéficient désormais de l'électricité grâce à l'exploitation des kits solaires. Des batteries alimentées par le soleil au nombre de 72 installées par le Fonds du développement de l'électricité F2E. Le F2E vise faire de la promotion de l'électricité dite verte une réalité dans les communes rurales du Burkina Faso. Ces kits solaires qui ont été installés, ça fait partie également, comme je l'ai dit dans mon mot, en entendant que le réseau puisse mailler tout le territoire, ce sont des techniques également qui permettent aux populations d'avoir l'électricité. Et pour ce que nous installons, l'accent est mis surtout pour l'éclairage, mais il y a d'autres utilisations minimales, comme je l'ai dit, pour le chargement des portables, pour regarder la télévision, avoir les nouvelles en suivant la télévision, avoir quelques ventilos pour un bien-être. Je pense qu'il y a le minimum de l'utilisation domestique assurée par les kits solaires. Cette initiative du gouvernement de doter les communes rurales de l'électricité est bien accueillie par les responsables de la province du Kuritenga. Ils estiment que l'avènement de l'énergie solaire permettra le développement des activités génératrices de revenus et par conséquent assurera le bien-être social des populations. L'aventure du jatropha au Burkina, elle continue de séduire dans la sous-région.
L'usine Belouette du Larlinaba Tigré a encore été prise d'assaut par des visiteurs venus du Ghana cette fois pour tirer le son de cette exploitation. Une visite qui a permis de décortiquer toute la chaîne de cette unité de production, de transformation et de commercialisation de ce produit. Abdoul Rasmane Zongo. L'usine Belouette, basée au quartier Kosodo de Ouagadougou, continue de faire rayonner sa réputation au-delà des frontières nationales. Cette fois-ci, c'est une forte délégation de 40 membres venus du pays de Kwame Nkrumah qui s'est déplacée in situ pour découvrir l'univers du Jatropha et ses dérivés en matière de méthodes de culture, de transformation, de commercialisation et autres usages. TreeAid Ghana est une organisation internationale qui milite pour la sauvegarde de l'arbre et a pu visiter Belouette Industries, Belouette Biocarburant, le champ de culture du Moringa, le processus de production du savon, entre autres. Nous sommes venus voir comment est-ce que les paysans travaillent avec le Jatropha et la gomme arabique. Parce que nous avons, là où le projet est situé, nous avons le même environnement écologique. Donc nous sommes en train de voir les espèces qui peuvent être adaptées au niveau du site du projet. Le Larlinaba Tigré, l'hôte du jour, promoteur de l'usine Belouette, après 5 ans de détermination dans la promotion du Jatropha, est satisfait de cette heureuse visite. TreeAid vient nous faire l'honneur avec 40 Ghanaiens qui sont des responsables, des chefs coutumiers, des journalistes, des producteurs, vraiment une délégation hétérogène de compétences diverses au service de la lutte contre la pauvreté à travers l'agrobusiness. Vraiment, je suis fier que notre modeste expérience puisse contribuer à renforcer les acquis au niveau du Ghana. Des contrats de collaboration vont être signés entre les deux parties. TreeAid Ghana se chargera de produire le Moringa et le Jatropha pour en revendre à l'association Belouette Burkina. Trois ONG mettent dans la main pour vaincre la malnutrition dans le San Matenga. Le projet né de cette synergie d'action a pour objectif de briser le cycle de la faim en assurant une sécurité alimentaire aux populations vulnérables. Pour ce faire, il faut agir en amont, d'où des foires organisées où intrants et semences améliorées sont vendues à prix subventionné aux producteurs. Le lancement s'est déroulé à Fanka ce matin en présence de Peggy Wedraogo. En choisissant l'anagramme VIM pour désigner leur projet de lutte contre la malnutrition, la coopération américaine au Burkina Faso ne pensait pas si bien dire. VIM, en langue morée, vie, c'est ce que ce projet promet aux populations touchées par l'insécurité alimentaire. VIM est en effet un programme de victoire sur la malnutrition mis en œuvre par un consortium de 3 organisations et financé par l'USAID. Ces actions s'étendent sur 4 communes de la province du San Matenga. Ce projet s'intéresse surtout aux populations vulnérables et qui les accompagne, qui les aide pour que ces populations puissent vraiment atteindre le minimum vital et pouvoir aussi quitter cette situation de dépendance toutes les années. Pour que ces terres produisent bien et dans le cadre de la mise en œuvre de 2 de ses objectifs stratégiques, le projet VIM entend développer le marché local des intrants agricoles par le biais d'une action dénommée Programme Coupon. Le projet Coupon consiste à appuyer les producteurs à avoir plus d'accès aux intrants agricoles pour pouvoir mieux organiser les productions pour répondre aux besoins de leurs familles. Il y aura 20 de foires qui vont concerner des produits aussi bien pour la production végétale que pour la production animale. Au total, 10 000 producteurs vont être touchés. D'ores et déjà à Fanka, situé à quelques kilomètres de Kaya, le top départ a été donné et les producteurs sont en possession de leurs bons d'achat. Ils peuvent ainsi participer de manière optimale au marché spécifique de semences et d'engrais de qualité. Pas toujours évident de parler changement climatique, comment élaborer les projets relatifs à l'adaptation au changement climatique. Le programme d'action nationale d'appui à la variabilité et au changement climatique donne la réponse aux acteurs de développement durable à Ouagadougou. Ils ont 3 jours pour maîtriser outils et méthodologies. Nathalie Savadougou.
Le PANA, le Programme d'action nationale d'adaptation à la variabilité et au changement climatique du Burkina Faso, veut renforcer les capacités des acteurs concernés en matière de formulation des projets. Des projets relatifs à l'adaptation au changement climatique dans le contexte de notre pays. Cet atelier est une réponse aux préoccupations exprimées dans des évaluations de formation antérieures. Nous réunissons aujourd'hui nos collègues des régions et des provinces pour effectivement les outiller davantage pour répondre à des questions émergentes, notamment les changements climatiques. Nous voulons outiller nos collègues de connaissances pour qu'en même temps, ils puissent aborder la question vraiment au niveau local, décentralisé, mais également qu'ils puissent aider ces populations à préparer des documents de projet ou des recherches de financement. À la fin de la formation, les participants devraient être mieux outillés et aptes à rencontrer les populations pour discuter des solutions à mettre en œuvre pour les questions d'adaptation au changement climatique. Il devrait aussi élaborer des documents de projet pour la recherche de financement pour la mise en œuvre des actions concrètes. L'émission Ecofinance sur la télévision du Burkina a un fan club dénommé Club d'appui et de promotion Ecofinance. Il se donne pour mission d'accompagner ce programme à travers la mobilisation de ressources. C'est un club composé essentiellement d'opérateurs économiques. Découvrons-le avec Moumouni Soubega. Courage. Et sensibiliser sa lutte héroïque. L'hymne national exécuté, les membres du bureau exécutif national du club d'appui et de promotion de l'émission Ecofinance peuvent se prononcer. Nouvellement installé, ce club est dirigé par un bureau exécutif national de 10 membres. Issus des 45 provinces du Burkina, ses membres avaient pris l'engagement lors des festivités des 10 ans de l'émission de l'accompagner et aujourd'hui, c'est chose faite. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'amener tout le monde, toute personne vivant au Burkina, de pouvoir venir s'exprimer pour aider l'économie et de trouver les moyens, les voies et moyens et des ressources financières pour pouvoir aider l'émission qui coûte très 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 cher. Ecofinance est une émission qui est très intéressante. Et ça permet aux uns et aux autres de comprendre en fait la politique économique et financière de ce pays. C'est pour encore comprendre et apporter notre contribution. La productrice a quant à elle traduit sa reconnaissance et celle du ministre de l'économie et des finances à ses désormais partenaires de l'émission Ecofinance diffusée sur les antennes de la RTB pour cette heureuse initiative. J'espère que au cours des prochaines années, l'émission aura une production et une réalisation un peu moins difficile grâce à la contribution de l'ensemble de ces acteurs. Les prochains mois connaîtront la mise en place des coordinations régionales et communales des clubs Ecofinance sur tout le territoire national pour accompagner l'émission et contribuer de ce fait à la promotion de la paix et du développement du Burkina, selon ses membres. L'initiative Jean a objet d'une formation à Ouagadougou. Le ministère de la promotion de la femme et du genre renforce la capacité de ses acteurs du budget et de suivi évaluation. La formation sur l'initiative genre et la gestion des politiques économiques se tient en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement et l'ONU Femmes. À Claudine Bikaba. Les directeurs d'études et de planification DEP sont à l'école de la prise en compte du genre dans les plans d'action des différents ministères. Cette formation est une initiative du ministère de la promotion de la femme et du genre, soutenue par le programme des Nations Unies pour le développement et l'ONU Femmes. Pour ce qui est de cette formation, elle vient au bon moment, parce que nous sommes actuellement dans le processus budgétaire. Mais elle vient au bon moment également parce que les ministères et institutions sont dotés de plans d'action. Et cette formation est une étape supplémentaire dans le renforcement des capacités. Les efforts de l'État burkinabé pour réduire les inégalités et les disparités entre hommes et femmes sont indéniables, selon le représentant résident du système des Nations Unies. Cependant, pour que la prise en compte du genre soit effective, il faudra revoir l'aspect finance dans les politiques et programmes nationaux. Pour qu'il y ait un accroissement de l'équité sur le plan économique, il faut qu'il y ait un accès aux activités productives,
Il faut qu'il y ait un accès aux ressources pour pouvoir faire mener des activités génératrices de revenus. Et il faut donc que la femme puisse participer au même pied d'égalité que l'homme dans les différents projets de développement. Donc pour que cela se fasse, ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Il faut que dans la formulation des politiques et des plans d'action, cet aspect soit pris en compte. Cette formation vise donc non seulement au renforcement des capacités des DEP, mais aussi à aider les politiques à rendre plus concrète la prise en compte du genre, afin que les femmes qui constituent à près de 52% de la population participent effectivement au développement et à l'atteinte des OMD. Sketch, ballet sur musique traditionnelle, c'est le menu des premières journées culturelles des enfants et des élèves du primaire du plateau central. L'événement culturel a mobilisé petits et grands à Zignaré le week-end dernier. Suivez plutôt le commentaire de C. Sylvestre Da. Ils sont très jeunes et ils sont déjà pétris de talent en matière d'expression artistique et culturelle. À travers des ballets, des sketchs, et le jeu des instruments de musique traditionnelle, ces élèves issus des écoles primaires de la région du plateau central ont fait montre de leur savoir-faire devant leurs camarades et leurs éducateurs mobilisés. C'est la première édition des activités culturelles et artistiques des scolaires du plateau central initiées par le gouverneur. Nous avons jugé que c'était bon que nous puissions essayer d'initier quelque chose avec la direction régionale de l'éducation nationale en faveur des enfants, afin que ces enfants-là puissent s'approprier justement les instruments de musique et pouvoir les maîtriser et jouer convenablement. Et pourquoi pas un jour nous représenter valablement sur le plan national, voire même sous-régional. La culture permet déjà d'éclore vraiment tout ce qu'on a comme potentiel et tout ce qu'il y a comme substrat culturel. Donc, bâtir aussi les apprentissages à partir de notre propre substrat culturel, c'est fondamental. Parce que c'est à partir de là qu'on verra éclore vraiment les talents de demain. La contribution de la culture à la scolarisation des enfants de la région du plateau central est le thème de cette édition des activités culturelles et artistiques des scolaires. Les groupes les plus méritants ont reçu des prix composés entre autres de fournitures scolaires, d'instruments de musique et de sommes d'argent. Et parce que les activités parascolaires participent à la formation complète des tout-petits, le ministre de l'Éducation nationale s'engage à accompagner la région dans l'organisation des prochaines éditions. À Ouéguéa, le lycée professionnel Yenega a ouvert ses portes au public l'espace d'une journée. L'établissement, qui compte désormais un foyer d'accueil, affiche son ambition de briller par l'excellence de son enseignement. Visite guidée avec Seydou Zon et Yolande Lompo. Broderie et tissage, ce sont les principaux produits du lycée professionnel Yenenga. Mais leur fabrication n'est pas toujours aisée. Ainsi, à l'occasion de cette journée, les responsables de l'établissement ont relevé les difficultés auxquelles ils font face. Des difficultés liées à l'état défectueux des locaux et aux problèmes d'hébergement. En ce qui concerne ma participation, j'ai accepté parce que tout ce qui concourt à aider le savoir aux jeunes pour qu'ils puissent s'en sortir, surtout l'auto-employabilité. C'est-à-dire que ces jeunes qui vont sortir, on va chercher à se prendre en charge. Afin de soutenir les filles qui connaissent des difficultés d'hébergement, un centre d'accueil vient d'être inauguré et l'œuvre est du projet BKF 011. Les élèves qui venaient des autres provinces chaque année repartaient parce qu'il y avait un problème d'hébergement. Maintenant, avec ce bâtiment, je suis sûre que les élèves vont mieux étudier, vont mieux vivre et c'est tout à l'avantage de notre établissement. En plus du tissage et de la broderie, le lycée professionnel Yenenga offre des formations aux jeunes filles en cuisine et en restauration. Hors de chez nous, au Mali, à Kidal, ils sont des dizaines de Maliens accusés d'espionnage à être arrêtés et expulsés par les rebelles Touareg. C'est donc l'épée de Damoclès qui plane sans cesse sur la tête des personnes suspectées de ne pas soutenir le mouvement national de libération de l'Azawad. Journal, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes sur la télévision de Burkina. À demain.